Yahoo, Bedibanche! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour mon bilan lecture du mois de février. Donc, si la suite t'intéresse, continue. Donc, à savoir que le jour où je filme cette partie, nous sommes le 8 février. Et je rappelle au cas où que j'avais arrêté la vidéo, donc bilan lecture pour janvier. Et je n'avais pas pris en compte la semaine du 25 au 31 janvier, tout simplement parce que j'étais absente du mardi au vendredi inclus. Et donc je savais que je ne pourrais pas filmer la vidéo dans les temps, donc je l'avais arrêté le dimanche froid d'avant. Toujours est-il, on va attaquer donc avec mes lectures. J'ai lu, alors je ne sais plus où j'en étais exactement sur la précédente vidéo, mais sur, j'ai lu le tome 7, le tome 8, le tome 9, le tome 10 et le tome 11 de Fausse Petite Amie. Et ça c'est par rapport aux photos en fait que je fais sur Instagram. En tout cas, Fausse Petite Amie, je l'ai présenté ce mois-ci, donc en février, sur la chaîne et donc cette semaine pour moi. Et c'est une excellente lecture, c'est un shoujo parfait pour commencer, surtout si tu veux commencer par du tout doux. C'est le shoujo parfait, il est génial ici, mais je te le recommande à 100%. Mais je t'invite bien entendu à aller voir la vidéo. Je vais essayer de faire la barre d'infos avec les titres dans l'ordre de présentation de la vidéo. Et ça, c'était chez les éditions Delcourt Tonkam. Ensuite, chez les éditions Delcourt, car le titre date d'il y a un petit moment. Pareil, je le présente cette semaine pour moi. C'est le manga J'aime les sushis. Donc, j'ai lu l'intégralité et ça, je l'ai torché en un week-end. La série est terminée en 8 tomes. J'ai lu les 8 tomes en un week-end parce qu'en fait, je me suis emmenée, pour dire la vérité, quand je suis partie donc, du mardi au vendredi, on va faire plus simple parce que les dates je m'en rappelle plus. Sauf que j'avais lu que le tome 1, j'avais pas fini le tome 1 et donc j'ai lu tout ça dans le week-end pour rattraper mon retard de la semaine. Mais en tout cas, une série génialissime, si tu peux la trouver, fonce, elle est trop bien. Et le thème est très intéressant, par contre il est classé comme shoujo, mais pour ceux qui sont pas trop fans du shoujo ou qui préfèrent la romance dans les shonen, clairement ce n'est pas le thème premier parce qu'on est d'abord sur du tranche de vie, gastronomie, puis romance, donc il peut plaire même, voilà, entre parenthèses, aux garçons, aux personnes qui n'aiment pas spécialement la romance, ou qui l'aiment juste dans les shonen, parce que franchement, c'est pas le truc clé dans le scénario, en tout cas, une série au top. Secret Fantasy, des éditions Dynamite, donc c'est une nouvelle maison d'édition qui propose du hentai, et donc j'ai acheté les deux nouveautés, j'ai lu le premier, d'ailleurs la vidéo est déjà sorti pour moi, je te mets bien entendu le lien dans la barre d'infos. Et pour ceux qui ne le savent pas, au cas où, j'ai une chaîne YouTube dédiée au hentai. Donc si jamais le cœur t'en dit de me suivre, en plus il y a un gros concours qui arrivera pour les 1000 abonnés. Je sais qu'on est qu'à 631 actuellement au jour où je filme, mais je préfère te prévenir qu'il y aura vraiment un beau concours. Donc n'hésite pas à t'abonner et à me soutenir justement sur cette nouvelle chaîne. En tout cas, Secret Fantasy, très belle découverte, plutôt intéressant. Et surtout, il y a des chapitres qui sont assez similaires au niveau des scénarios. Donc, où on est avec deux meilleurs amis et la sœur d'un des deux garçons. Et la sœur sort avec le meilleur ami du frère. Donc, c'est des histoires à trois comme ça, mais c'est vraiment très intéressant, très fun et assez original. Ensuite, j'ai lu Switch Me On, qui est des éditions Akata. Et donc ça, le tome 3 va pas tarder à sortir. Bah, il sera sorti en février, il sort le 11 si je dis pas de bêtises. Donc moi justement, je vais le présenter jeudi pour moi, pour que tu l'aies mon avis sur les deux premiers tomes dans les temps, parce que le tome 3 sera sorti. Ça, c'est un josei qui est génial parce qu'on va être vraiment sur quelque chose de tout en douceur, mais aussi on respecte le personnage. On respecte le personnage du couple et les personnages entre eux se posent la question, est-ce que tu veux le faire vraiment, même s'ils sont en train de s'échauffer, il y a quand même la, est-ce que je peux te pénétrer ou pas quoi. Il y a de la question et ça j'ai trouvé ça magnifique, c'est une histoire d'amour vraiment très très belle et très intéressante à lire et j'ai vraiment hâte de la suivre au fur et à mesure, mais en tout cas celle-ci c'est une série que je vais acheter les volumes au fur et à mesure sans me prendre la tête sur le fait que est-ce que je vais décrocher en cours de route ou pas, ça c'est clair, je décrocherai pas. J'ai lu la suite de Chat malgré moi, je l'avais dit, je voulais faire la vidéo donc pour le mois de mai parce qu'au mois de mai il y aura le tome 7 qui va sortir et je voulais en fait continuer ma lecture sur Chat malgré moi pour être proche quand même de la lecture du tome 1 et donc j'ai lu les autres volumes, donc le tome 2, le tome 3, le tome 4, c'est le plus beau moi je trouve, le tome 5 et le tome 6. Donc voilà, c'est un... Alors, il est classé comme shoujo
Et c'est en fait les aventures d'un garçon qui a eu un accident qui s'est fait percuter par un camion. Il finit dans le corps d'un chat et il suit sa vie de chat. En fait, on suit sa vie de chat. Et il vit avec une humaine qui est une fille qui était dans son école. Il la connaissait pas spécialement. Mais on suit les aventures de ce chat et c'est très mignon, très marrant et très agréable à suivre. Et on apprend quelques petites choses sur les chats, mais voilà, c'est pas vraiment le thème phare. Et je t'en parle du coup au mois de mai. Je sais, ça fait loin, mais c'est comme ça. On continue donc avec le manga des éditions Kihon, qui est une nouveauté donc du mois de janvier, je crois, si je dis pas de bêtises. Le carnet de l'apothicaire. C'est un manga dont on suit les aventures. Alors on est sur l'époque, comment dire, c'est quoi l'époque? C'est même pas écrit. C'est l'époque où il y avait les rois, les machins comme ça. Et ça n'a pas l'air d'être au Japon. J'ai plus l'impression que c'est en Chine parce qu'il parle du palais impérial. Toujours est-il. J'ai vraiment adoré ce premier tome. J'ai été vraiment conquis. Et je t'en parle plus en détail. Justement, je vais filmer la vidéo aujourd'hui. Et je t'en parle plus en mars. Je poste la vidéo la veille, donc le jour avant la sortie du tome 2. Comme ça, tu as vraiment regardé la vidéo juste avant et tu sais si tu dois vraiment acheter le bas de la série si tu avais loupé le coche. Ensuite, Blue Period. Je pense que tout le monde connaît, il y a une grosse hype dessus. C'est un jeune homme qui... C'est pas qui... Voilà, un lycéen studieux à qui tout lui réussit, mais en même temps, il se fait un peu chier dans sa vie et il va se mettre à la peinture et là, il va avoir une révélation. Il va découvrir un peu plus ce monde et s'y intéresser. Donc voilà, lecture plutôt sympa, je t'en dis pas plus parce que je voudrais vraiment que tu regardes la vidéo. C'est des éditions Pika et c'est un seinen. Ensuite, Yanchaka. Je l'ai lu ce week-end. Donc lui, Yanchaka, on suit les aventures en fait, on est sur un yaoi, au cas où. Et en fait, on suit les aventures d'un garçon qui vient d'arriver dans un lycée. Je crois qu'on est au lycée. Ouais, lycée. Et il va directement avoir un coup de cœur pour ce personnage-là qui est Kudo. Ouais, je pense que c'est Kudo. Et en fait, c'est un Yankee et on va suivre les aventures de leur relation de couple qui est plutôt sympa, assez originale et assez changeante de ce qu'on a l'habitude de voir. J'aime pas d'habitude les histoires sur les Yankees, mais là, ça passe largement et l'histoire est plutôt mignonne. Donc c'était une relecture pour moi parce que la vidéo a daté de avant 2016. Enfin... J'ai lu mais j'ai supprimé la vidéo parce qu'elle était trop ancienne, le rendu n'était pas suffisamment bien. Je suis en train de relire beaucoup de mes titres comme ça de Boys Love dans cette collection là pour te faire des vidéos de meilleure qualité et donc ça en fait partie. La vidéo sera présentée aussi parce que c'est la vidéo pour moi de cette semaine. Il me reste déjà plus que deux titres à te présenter, mais on en a lu quand même pas mal, hein. J'en ai lu plutôt pas mal. C'est Mes voisins les esprits, c'est des éditions Doki Doki, c'est une série terminée en 3 tomes. Je précise parce que là je le sais pas, voilà, je suis en train de la lire et autres. Donc pour ce qui est de Mes voisins les esprits, pour l'instant j'ai un avis assez mitigé pour ce premier tome. Donc comme j'avais acheté le pack avec le deuxième tome, je vais lire le deuxième. Et je verrai si je continue et j'achète ou pas le troisième tome. Mais pour l'instant, c'est un avis assez mitigé, donc à voir. Mais voilà, le dessin est sympa sinon. Assez simple, mais sympa. Et voilà. Mais j'ai pas grand-chose à dire pour l'instant parce que mon avis est très mitigé. On termine par le manga que j'ai lu ce matin. Et c'était du coup Peachy Butt Girls. C'est un manga de Boshi. Voilà, Boshi. Je sais pas comment ça se dit, bref, toujours est-il, c'est une taille avec 40 pages en couleur, donc ça c'est très agréable, même si personnellement je suis pas forcément intéressée par les pages en couleur. On a des histoires qui sont en 2 chapitres, donc ça c'est plutôt pas mal, et on a de tout au niveau des filles, parce qu'on a autant du bonnet H, oui oui H, à la loli, donc ça peut permettre à tout le monde d'avoir de quoi voir au niveau des formes qu'ils préfèrent, ce qui est plutôt sympa aussi. Pareil au niveau des garçons, on a un peu de tout, on a vraiment du geek on va dire aux garçons standards, aux garçons pas très beaux, aux garçons plutôt mignons et aux gars carrément prof dégarnis, aux personnages assez rondouillards. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir la diversité au niveau des personnages et les histoires étaient plutôt cool. Pareil, la vidéo sera aussi disponible. On continue cette vidéo et nous sommes lundi 15 février.
Et donc je te montre mes dernières lectures jusqu'à hier, donc le dimanche 14, parce que comme ça c'est plus simple pour moi de faire par semaine et de ne pas compter lundi, et j'ai pas monté aussi les mangas. Donc en ce qui concerne les lectures, j'ai relu le tome 3 de Au Grand Air, donc il y aura la vidéo dans la barre d'infos du bilan lecture 1 et 2, des tomes 1 à 3 et des tomes 4 à 6. Je relis Au Grand Air pour faire une critique Instagram, et je ne le lis même pas en fait en format papier en ce moment. J'ai relu les 3 premiers tomes en format numérique, parce que je les ai aussi en format numérique, et je lis la série dans mon bain. Voilà, comme ça t'as tous les détails. Ensuite, j'ai lu et j'ai fait une vidéo, donc elle est sortie, donc pareil, elle sera dans la barre d'infos, de l'intégralité de Ça reste entre nous, une série en 3 tomes des éditions Kana. Excellente lecture, j'avais très très peur que la série soit pas suffisamment bien développée à cause du fait qu'elle soit en 3 tomes, et rien, ça n'a pas été le cas, ça a été super bien géré, j'ai vraiment surkiffé la série et je suis très contente de l'avoir lu, et donc je t'ai fait une vidéo. Et pour ceux que ça peut intéresser, de savoir, je garde, je revends, j'ai gardé. Donc, ensuite, on continue avec À nos fleurs éternelles, une série terminée en 2 tomes des éditions Agatha. On est sur l'auteur de Running Girl, donc l'auteur du manga sur la course paralympique que j'ai présenté début décembre. Tu auras aussi la vidéo sur les courses paralympiques dans la barre d'infos. Et donc, À nos fleurs éternelles, j'ai été vraiment déçue par ce titre. Je me suis mais alors fait chier comme pas possible. Horrible. Alors, j'ai tout simplement pas accroché parce qu'en fait, il n'y a pas réellement de gros scénario. On s'y joute les aventures de cet enfant qui, très jeune, rencontre ce shogun. Le shogun craque complètement par sa beauté, par son talent après, en tant que danseur de... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas marqué. Bon, un style de danse de l'époque du 14e siècle, si je dis pas de bêtises. Et en fait, on s'y jute leur tranche de vie, toute simple. Voilà, le gamin espère atteindre un certain niveau, au niveau des danseurs. Le shogun, on sait pas trop. C'est assez flou au niveau du scénario, il n'y a pas grand chose. Et donc, je me suis vraiment beaucoup ennuyée. À savoir, par contre, que pour ceux, ça peut déranger. C'est un garçon. Et ils ont... Enfin, l'enfant a des sentiments pour le shogun. Le shogun, on sait pas trop... Enfin, moi, j'ai pas su trop comprendre où étaient ses sentiments, où était placé ce qu'il pensait de l'enfant, parce que il y a une espèce d'affaire politique. Enfin, voilà. Bref, toujours est-il, si ça peut déranger, voilà. Mais il n'y a pas de bisous, il n'y a rien du tout. Rien, il n'y a même pas un seul kiss. Hein. C'est vraiment... l'amour d'un enfant qui, limite, est amoureux d'un adulte, il se passera jamais rien. Voilà. Mais... ça peut déranger, donc ça, je l'ai mis à revendre donc hier, vu que vous le savez, je mets les ventes à peu près le 15, si ça tombe un lundi, comme ça je fais le dimanche, parce que quand ça te laisse plus de probabilité de voir la vente, même si là, honnêtement, vous m'avez fait un truc de malade pour ma vente de hier, parce que j'ai à peine eu le temps de tout poster que tout était vendu, sauf un truc. Donc le truc en question, je me doutais qu'il ne serait pas vendu. Donc voilà, mais ça, j'ai été vraiment très 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 déçue. Et je me demande si je ne vais pas mettre l'auteur en fait de ça en blacklist. C'est les deux œuvres en fait, j'ai été vraiment déçue. L'autre, Running Girl, moins déçue, mais quand même. Donc voilà, c'est histoire mitigée, je me méfierai de cet auteur. Et puis voilà, ou alors des histoires très très courtes de cet auteur. Ensuite, la semaine dernière, j'ai lu, mais alors je t'ai torché ça, mais en 2-2. J'ai lu l'intégralité de Between You and Me, des éditions Soleil, par l'auteur Saiki Aikawa, qui est une auteure qui a beaucoup d'œuvres disponibles en français. J'ai absolument tout présenté, vu que c'était la dernière œuvre qui me manquait. Donc j'ai présenté toutes les œuvres de Saiki Aikawa qui sont disponibles sur ma chaîne. Là, je te mettrai carrément, je crois que j'ai la playlist Saiki Aikawa. Voilà, mais en tout cas, excellente lecture, je suis très contente, et d'ailleurs je vais faire ma vidéo juste après. Donc alors c'est pas l'intégralité parce qu'il y a encore quelques volumes, je crois qu'on est au tome 8 ou au tome 9, je sais plus du tout, mais j'ai lu les 5 premiers tomes de Les Petites Fraises. C'est un manga des éditions Kurokawa, c'est un seinen, je crois aussi aux 12 ans je crois, et plus, ou 14 ans, j'ai un doute. Voilà, donc on suit les aventures en fait de plusieurs petites filles. C'est...
C'est un Kodomo sans en être un, en fait, tu vois, mais on suit les aventures de plusieurs petites filles. On suit les aventures de petites filles qui font plein de bêtises, leur tranche de vie, tout ce qu'il y a plus classique, etc. J'ai relu les 5 premiers tomes pour en faire une vidéo et pour pouvoir aussi le revendre, parce que ça, je savais très bien depuis le temps que je l'ai lu, en fait. Je l'avais gardé à l'époque, parce qu'à l'époque, j'avais plus ou moins bien aimé, mais ça, je peux te dire que je l'ai lu, mais... Attends, de quand date le tome 5 ? 2007. Ouais, donc tu vois, ça date d'il y a une éternité. Donc j'avais acheté les 5 premiers tomes, je m'étais dit, ok, il devait avoir un tome 6, mais ça, à l'époque, ça a mis une éternité à ce qu'on ait le tome 6. Et puis je m'étais dit, bah, je lirai un peu plus tard, j'attendrai que les tomes suivants sortent. Et ça a tellement mis du temps à sortir que je suis devenue vieux. Voilà, entre-temps, je suis devenue très très vieux. On va dire ça comme ça, hein, depuis... Ça date quoi, du collège ? Toujours est-il... Voilà, j'ai lu ça au tout début de mes mangas, c'était dans mes premiers mangas, et donc, bah voilà, maintenant j'ai passé l'âge et je voulais relire quand même pour pouvoir faire un avis, pour expliquer un petit peu, faire connaître le manga, mais c'est tout, voilà. Et donc ça, je savais très bien que je revendrais, donc voilà, ça sera dans mes ventes de fin de mois. Le jour où je filme cette partie, nous sommes le 1er mars, et si je ne me trompe pas, il ne me restait que les 2 dernières semaines à te présenter, donc on va attaquer ça tout de suite. J'ai lu l'intégralité du manga Real Girl, qui est un manga en 12 tomes, j'espère que j'ai bien prononcé, qui est donc en 12 tomes des éditions Pika, c'est un shoujo, et nous sommes sur les aventures d'une jeune fille qui est une bimbo, qui va complètement tomber amoureuse d'un otaku. Et on va avoir une histoire avec 6 personnages clés, un manga très intéressant, plutôt captivant, avec de jolis messages. Et la série, je te la présente en fin du mois de mars. Hélas, je préfère privilégier les séries qui vont juste se terminer, comme les tomes, enfin les critiques tome 1, là où il y a le tome 2 qui va sortir dans le mois, et te faire les intégralités en fin de mois, ou en fait en mode bouche-trou. Donc toujours est-il, excellente lecture, et je te la recommande quand même. Ensuite, le manga Golden Ship, que j'ai donc déjà présenté. Et la vidéo est donc déjà dispo sur la chaîne. Et en tout cas, excellente lecture. Un manga très intéressant, avec des messages qui peuvent coller vraiment à tout un type de personnes, pas que les jeunes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut très bien lire ce manga en étant jeune et le relire une fois adulte. Et justement, avoir toujours ces messages qui sont toujours en fait valables pour une personne adulte, et ça je trouve ça très intéressant, et le manga est juste génial. Il est en 3 tomes certes, mais il n'est pas écourté, et il est vraiment très intéressant, je trouve, à lire, et c'est pour ça que je l'ai gardé. Ensuite, alors là je vais te faire un peu n'importe comment, déjà il y a eu ce yaoi là, un manga plutôt sympa, mais comme c'est principalement plusieurs histoires, on n'a pas eu vraiment de développement, donc très dommage. D'ailleurs la vidéo est déjà disponible. Ensuite, en yaoi, je viens de lire Ne me fais pas pleurer. Pareil, il y a 3 histoires dedans, mais la première histoire est vraiment plutôt sympa, la deuxième aussi est très intéressante, et la troisième m'a fait chier. Voilà. Mais de toute façon, il y a une vidéo aussi de disponible. Ensuite, la critique du tome 1 du manga Le Renard et le Petit Tanuki, un manga des éditions Kiun. Je vais le présenter comme ça sera plus logique. Donc lui, je l'ai présenté tout début... Enfin, je vais le présenter, pardon, tout début mars. Je ne présenterai pas lors de la sortie du tome 2, parce que ça sera donc toi, ça sera dans la semaine qui sera écoulée. Moi, je le présente donc pour toi la semaine prochaine. Mais en tout cas, très bonne lecture, et je t'en dis pas plus. Je ne te dis pas si je continue ou pas la série, je te laisserai découvrir. On continue avec What is my Spy Opera. Alors personnellement, je voulais faire une vidéo critique tome 1 sur ce titre, mais je ne vois pas trop ce que je pourrais en dire, donc je vais juste m'en contenter de la vidéo bilan lecture. On suit les aventures donc d'une équipe de 3 personnages principalement, je crois qu'il n'y en a que 3. Hein. C'est donc la jeune fille qui s'appelle Opera, le chien et l'espèce de gros robot que tu vois derrière eux. Et en fait, donc leur équipe est surnommée Fragile, parce que c'est comme ça qu'on a surnommé cette jeune fille, qu'elle était trop fragile, etc. Et donc en fait, c'est des livraisons de... Par exemple, elle doit livrer à un moment donné une espèce de colis de telle... Je sais plus quelle planète, je crois que c'est Vénus.
Et elle va sur Terre, en fait, on va lui demander d'aller jusqu'à Jupiter, etc., etc. On va suivre des aventures, on va suivre aussi ses mésaventures, parce que cette jeune fille, par exemple, rien que pour faire un atterrissage, elle te bousille son vaisseau. Voilà, donc toujours est-il, c'est un peu voilà, dans ce style-là. C'est plutôt sympa, j'ai fait vraiment un bon petit moment de lecture, mais ça n'ira pas plus loin pour moi. Je n'irai pas plus loin parce que je n'ai pas suffisamment accroché, en tout cas pour ce premier tome, et je n'ai pas envie d'essayer du tout de faire un deuxième tome parce que je me rends compte que c'est peut-être pas forcément ce que j'attendais au niveau de la série. Donc voilà, mais je suis content quand même de l'avoir lu. Ensuite, on continue donc avec les trois titres des éditions Glénat. On va voir Alter Ego, j'ai dû dire After Ego, Echo, ouais ouais. Quand j'ai fait ma vidéo pile à lire, je crois que j'ai dit After Echo. Toujours est-il. Alter Echo, qui est donc classé dans la collection Shoujo Plus de Glénat, est en fait un yuri. Certes, c'est un yuri où tu vas avoir juste des bisous, mais c'est quand même un yuri. Voilà, je tiens à préciser. Et on suit donc les aventures de trois personnages clés, deux filles qui sont ennemies et qui vont finir par devenir amoureuses. L'histoire est plutôt sympa, je ne t'en dis pas plus parce que je vais faire forcément une vidéo avis sur... C'est un one shot, hein, je précise. Ensuite, on va continuer... Je vais garder le meilleur pour la fin. On va continuer avec 100 jours avant ta mort. Donc ça, je l'ai présenté lors d'une vidéo Estrémanga, j'achète ou pas 100% Glénat qui sera sortie, je crois, la veille de cette vidéo. Donc voilà, je ne t'en dis pas plus. J'ai lu l'extrait, tu vois bien que j'ai le volume 1 dans les mains. À un moment donné, déjà, ça veut dire que l'extrait m'a convaincu. Après, est-ce que le volume 1 entier m'a convaincu? Eh bien, je te laisse découvrir dans pas très très longtemps, dans les 2 semaines, je crois, qui arrivent. Car tout simplement, si je dis pas de bêtises, il doit sortir le 17, le tome 2. Donc, je le présenterai un petit peu avant. Ensuite, une touche de bleu. Excellente surprise, je ne pensais pas l'aimer autant. Mais je ne t'en dis pas plus, ni pourquoi, ni comment. Et en tout cas, très très bonne lecture. Et donc, pareil, je t'en fais un avis très rapidement parce que, pareil, le tome 2 doit sortir le 17 mars. On termine cette vidéo avec un hentai. Donc, c'est Loader and Loader, si je prononce bien. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. M'excuse-moi, l'anglais, ça fait 36 000. Ça ne fait pas 2, ça fait clairement 36 000. Toujours est-il, excellent hentai. Je ne pensais pas l'apprécier autant. Vraiment très intéressant. Il y aura une vidéo de toute façon à vie qui sera... En gros, moi le jour où je filme, on est le 1er mars. Je vais filmer ma vidéo aujourd'hui et je vais la poster dans la semaine. Donc, du coup... qui est ma semaine. Après quel jour, je ne sais pas encore, ça dépendra du temps que j'aurai pour la monter, parce que les vidéos hentai, c'est celles qui me prennent vraiment le plus de temps. Donc voilà, toujours est-il, excellente lecture, et je te le recommande. Cette vidéo, bilan lecture de mes lectures du mois de février, est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente et on partage la vidéo. N'hésite pas à me dire quel est le titre où tu attends, par exemple, mon avis pour les critiques tome 1. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te retrouve donc très rapidement aussi pour la présentation d'un nouveau manga. Et sur ce, n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Mes 2 précédentes vidéos YouTube en recommandation, ma tête de panda, mes réseaux sociaux, le compte Vinted. On n'oublie pas d'activer la cloche pour être informé de chaque sortie de vidéo, mais n'oublie pas que je poste presque une vidéo par jour. Ça arrive qu'il y ait une journée de temps en temps qui saute, mais sinon je poste une vidéo par jour. Sur ce, bye!